Salut les amis, c'est le Steph, on se retrouve aujourd'hui sur Phoning Home. On arrive sur l'épisode 8 de Phoning Home, sur cette magnifique vue. Oui, je me suis arrêté là parce que c'était beau. La dernière fois que je vous ai laissé, on était environ là-bas. On avait retrouvé notre vaisseau, notre ami le vaisseau de base. Et en fait, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait réussi à trouver 12 Terretium ou Terrenium ou je ne sais quoi. Et finalement c'était pas suffisant, donc on nous demande d'aller en chercher là-bas encore plus. Et je suis tombé au passage, en marchant. Hop, je suis tombé là-dessus, donc bah écoutez, en voilà d'autres, un de plus, on arrive à 13. Anil l'a trouvé gentiment, donc j'ai été le chercher. J'ai avancé un petit peu sans vous, très peu. Je voulais un petit peu récupérer du matériel, un petit peu du matos par terre pour me réparer, etc. Donc je me suis un peu réparé, j'ai gagné un peu de carburant aussi pour mon booster là. Qu'est-ce qu'il me fait? Annie, dégage. Je m'en fous de toi. Il est où là? Je veux la plante. Voilà. La plante est là. Tac. Et on a besoin d'un petit peu de plante là avant de continuer. J'ai besoin de réparer un petit peu Annie qui est quand même pas en super forme. Et avoir un peu de rap, ce serait cool aussi. Donc c'est juste ça. Je reste là. Je me fais quelques plantes. Et puis on va continuer. Continuer l'aventure gentiment. Sachant que ça fait quand même un moment que j'ai pas joué. Il reste là. Que dalle. Il y a des trucs là-bas, il y a de la matière noire. Tout ça, il n'y avait pas la dernière fois qu'on était venu. Allez, voilà, on est bien. Du coup, on va s'occuper d'Annie. Alors, Annie, mon ami, tu as besoin de revêtements. Parce que regardez, elle est à 11% de corrosion. Il faut lui augmenter aussi son intégrité. Donc, on va lui faire ça. Donc, on monte ici en revêtement. Ça évitera la corrosion plus tard. Et on va lui faire un petit peu de coque. Tac. On est pas mal. Elle est full amélioration, la cocotte. Ça pourrait être intéressant de regarder moi également. Hein, où est-ce qu'on en est? Tiens, d'ailleurs, on va finir avec les plantes, du coup. Voilà. Encore? Voilà. Alors, donc, on va faire ça. On va regarder un peu ce qu'on peut se crafter, finalement. Parce que ça peut être intéressant. Une sonde lumineuse, pardon. C'est une nouvelle arme. Donc oui, c'est une nouvelle arme. Tatata, courte portée peut distraire les ennemis. Pour l'instant, c'est pas fou. Ça, je peux pas. N'a pas été débloqué, et bouclier. C'est pour être furtif. Ça peut être pas mal, ça, en fait. En vrai. En situation compliquée. Pour ça, il me faudrait des nanos et des circuits. Là-bas, c'est mon vaisseau. J'espère que c'est pas lui qui a explosé. Des nanos et des circuits, donc je disais. Donc on va regarder un petit peu le craft pour ça. Ce serait bien de le faire. Allez, nano, bim. Circuit, bim. Bah voilà. C'est good. On a notre bouclier. Super, les virevoltants vont se focaliser sur moi pendant que tu essaies de t'enfuir. C'est pas faux. Vu comme ça, c'est pas faux. J'avoue. Je vais là parce que je vois qu'il y a de la matière noire. Hein. J'en profite. Elle est où? Elle est là. Voilà. Alors, on est parti. Bah, du coup, on va suivre la flèche. On va voir un peu où ça nous mène. Sûrement une nouvelle zone de la planète. J'espère que ce sera pas encore du désert, d'ailleurs. On a un peu marre du désert. Encore une chanson joyeuse. Ah, ça veut dire qu'il y a à nouveau du Terrenium. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, déjà les extraterrestres ont dû l'entendre aussi. Je parie qu'ils avaient plus d'oreilles que toi. Du Terretium ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'extracteur, j'ai l'impression. Quoi? Où ça? Cocotte, t'as de quoi tirer? Allez. Easy. Allez, on y va. Bon, du coup, j'ai pris ça. Je sais pas à quoi ça sert exactement. On va récupérer un toujours. Hein, j'ai pris ça, je raconte n'importe quoi en fait. J'ai visité ce truc. Putain, mais n'importe quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Non, je voulais dire que j'ai essayé de prendre ça, mais ça sert à rien. Et je suis parti n'importe où. Et je voulais prendre donc ces fameuses pierres parce que ce sera nécessaire. Et qu'on en a toujours besoin. Ça doit être un des composants les plus importants avec les plantes. Ça permet de faire de l'énergie et de se réparer. Tac.
Et du coup, on arrive finalement là où on était censé aller. Ouais. For moments like this, we developed the kinetic damper. Build one. Quoi? L'amortisseur kinétique, c'est ça? Eh ouais, ah oui, ah oui. Eh, j'espère que je peux le faire du coup parce que je viens de crafter un autre truc quand même. Il est gentil le coco. Une cellule d'énergie. Bon, déjà au niveau des résidus, on est bien. Circuit et cellule d'énergie. Bon, ça devrait se faire bien, je pense. Oui. Tranquillement. On est quand même bien, bien équipé au niveau. The kinetic damper is tricky. If you're falling, engage it before you hit the ground. D'accord. Not too high in the air though. Just at the right moment. Ah super. Et moi je dois rester ici. Ouais, c'est la question que j'étais en train de me poser. On arrival, Ion will look for a way to teleport you down. Ah. Ouais, ouais, d'accord. Il va falloir que je la téléporte, la cocotte. Et en plus, il va faire nuit, donc ça va être très pratique pour voir un endroit où la... Où la téléporter... Comment on va faire? Moi, je crois qu'on va la laisser là. Du coup... Comment ça marche? Oh, j'ai que 6 essais! D'accord. Pas plus que 5. Allez! Putain. Geronimo. Oh putain. Oh. Incroyable. Très classe. Ok, bon bah c'est parti, on est dans une caverne. Ça devrait nous éviter d'avoir de la pluie. Et puis je vole quoi? C'est n'importe quoi. Oh merde. Ah, faut aller la chercher encore. Bon, bah, c'est pas grave. Ne me laisse pas tomber. D'accord. Bon, au moins, elle est cachée de la pluie. C'est pas mal. Ouais, c'est pas très intéressant ce qu'elle raconte, de toute manière. Bon, on va visiter. C'est très bien. Allez, c'est parti. On a tellement perdu en devenant des mécaniques. Me dis pas, ça aura plus besoin de manger et tout, c'est cool. You have to find Arnie and save her, Ion. She's our only hope for locating enough Tetrarium. C'est super beau ici. Hein. Allez, Esther. My systems are showing ah, mais ils vont Esther, oui. To the other side. You must find it. Oui, oui, d'accord. C'est cool. Bim. Allez, on y va. Alors, silence, ralentissez, prudence, ne réveillez pas la montagne. Et d'accord. D'accord. On va pas courir. Et on va s'équiper probablement du coup du machin qui permet de rester caché. Ça là. Ah oui, alors tant que c'est activé, d'accord. Faut pas que je le mette. En fait, ça fonctionne dès que je l'équipe en fait. Je peux pas l'activer comme je voudrais. Ça fait un bel effet lumineux ceci. La caméra des fois est un peu mal placée. Hein. Je dois avouer. On va passer par là. Hein. Oh putain! You have been in that situation before, Ion. You know what to do. Ah bon? Pierre, protégez-vous en permanence. Donc là, on a de quoi se téléporter. Est-ce qu'il y a moyen de se téléporter de l'autre côté? J'aimerais autant, hein. Putain. Il y a quoi en bas? Je peux pas aller en bas, hein. Non. Regardez, je peux me téléporter là-bas. Alors, on va faire ça. C'est ça, hein. Et là, ça fait quoi? Ok, alors on va faire ça.
Tac. Et dès que l'autre... Si... Ah, on est parti. Oh. Tac. Allez, parfait. Nickel. I knew you'd make it, Ion. Move on. No time to lose. Oh. Current probability of safely returning home is 12.47%. On est bon là, hein. On va rentrer à la maison, hein. Tac. Bien. On va passer par là. Non, je sens que les probabilités vont bientôt baisser. Je sais pas pourquoi. Il y a plein d'objets, mais je réussis pas. Enfin, de loot en fait. Allez, on va prendre ça. J'en profite, hein, que je sois là. Vas-y, on va courir. Hein. Une montagne, ça se réveille pas, on est d'accord. Il y a quand même peu de risques, je pense. Ok. Allez, on récupère tout. On va pouvoir continuer. On va se faire un petit stock, parce que là, on est quand même en manque d'énergie. Donc du coup, hein, tout ça, c'est pas pour rien. On va se regagner un peu de vie. On va se faire du carburant, hein, c'est bien. Et de l'énergie surtout, on va en prendre deux. On va tout équiper. Tac, tac, tac. Et on est pas mal. Allez, on est parti, on visite. C'est super beau, c'est génial. Moi j'aime bien quand c'est beau. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les morts sous la montagne renvoient leurs proches dans l'espace. This isn't the time for jokes, Arnie. Are you okay, Ion? Ion is intact. Ion, leave the cave, but proceed carefully. Ok, alors on va pas courir cette fois. Là, il y a un trou là au centre. Hein. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. J'ai vu un trou, je suis pas fou. Ça là. Non, c'est des reflets. These folks were drilling, but for what? Iron ore? Coal? My sensors show the presence of proto-tetrarium in the rock. Very small amounts, but still. Even as a mineral life form, proto-tetrarium needs oxygen to grow and develop into tetrarium. Ok. Allez, tout va bien. Annie, elle se trouve par là-bas. Bon, là, ce sera pas là. Putain, mais c'est beau! Nom de Dieu! Mais ce sera pas le chemin, visiblement. On va quand même aller voir un petit peu si on peut faire quelque chose là-bas. Pff. Allez. Allez! Bon, bref. Par où on part? Pourquoi ça fait du bruit là? Là-bas, il y a quoi? J'aime pas là, les petits bruits là. Petits bruits stressants. Là-bas, il y a quoi? Là-bas, peut-être? Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Voilà! C'est ici le chemin. Ok, ok, ok. Donc là, c'est pas hyper engageant quand même. On est équipé d'une arme, mais je pense que visiblement ça devrait servir à rien.
sens qu'on va tomber sur un gros monstre. Voilà, on s'en fout. If Arnie was there with you, she could find us a sample of Proto Tetrarian. And if these aliens died before they could escape, maybe they stored some Tetrarian somewhere. D'accord, donc il y a peut-être moyen de lui trouver du Tetrarium. Sans qu'il y ait ni. Maybe it's farther away. Lots of maybes, but we have to try. Bah, je vais aller là-bas parce que j'ai l'impression que c'est le coin qui est bloqué. Looks like the mountain didn't like being mined very much. Mountains do not have opinions. At least that's what we were told. Je vais là. Hii. But what force can inflict such damage if not the mountain? Regular earthquakes. Is there anything regular about this planet? Oh putain, qu'est-ce qui se passe là encore? On se casse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on a essayé d'esquiver le truc. Bon, clairement, j'ai pas pris le chemin que je voulais. Anyway, Ion, it shouldn't be far to the exit. Proceed at pace. Là, je vais utiliser du coup mon truc pour atterrir. Hein. Je pense que c'est le bon plan. Ouais, j'ai réussi, étonnamment. C'était mal barré. Alors. Profite hein. Du coup. Ouais, donc je disais, je voulais commencer par l'endroit où c'était pas le chemin, bah du coup j'ai pris le bon chemin du premier coup. Je dois aller où là? Par là? Ouais, c'est par là. Allez, on est parti, on n'a pas peur du feu. On se dépêche. Ah si, bah... Nyeh. Oui bah c'est ça, je suis venu... Ah oui bah non, bah d'accord, bah je suis venu là pour rien. Très bien, c'est de l'autre côté visiblement. C'est laborieux d'avancer. Allez, le chemin ça doit être par là-bas visiblement. Finalement. C'est un peu peur tout ça, hein. Ah! Allez, dégage, ne fais pas peur. Rain from tiny clouds. The noises. The impossible electromagnetic physics. The eccentric gravitation. All the meteorites. This place is extraordinary on so many levels. Be very careful, Ion. If you fail, we are both finished. D'accord. Petit problème de collision. D'accord, je peux pas aller dessus, très bien, parfait. Ouais, bah j'aurais cru qu'on pourrait faire quelque chose là, mais je crois que je suis un peu paumé en fait. Et ce truc là, il est bugouilleux. C'est triste qu'on ne joue plus. Qu'est-ce que tu racontes? J'excelle dans ce domaine. Elle dit n'importe quoi la cocotte là. En ce temps, je suis complètement paumé. Là, il y a un chemin, là. Attends, si je tire là. Ok, ça fait rien. Il y a quoi, là? Il y a que dalle. Bon, bah, une fois de plus, c'est le mauvais côté. Ion, I can't read your signal. Ion, please report back. Putain. Ion. Oh Ion. Non, mais vas-y, je suis trop loin, là. Bon bah deuxième mort hein, pas de problème. Bon, est-ce que je recommence là? Bordel. Est-ce que je suis? Alors me revoilà au bout. C'est là où j'étais tombé au début. Là où il y a les flammes.
Je me suis pris un petit peu de flamme dans la gueule d'ailleurs en passant. Je pense qu'il faut que j'aille de l'autre côté en fait. Donc on va y aller. Allez, yes. On devrait arriver au bout bientôt, je pense. 400 mètres, ouais non, pas bientôt en fait. Encore un peu de chemin pour la rejoindre, la cocotte. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on descend? On descend? Ah, on descend. Et on arrive à la sortie. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vole? Il y a des problèmes de collision dans le coin, c'est horrible. Non! Ok. Ok, petite pause. Carburant, encore une fois. C'est que je vole beaucoup. Tac, ça ira. Comment je monte? Something happened when you left the cave. A bunch of portals opened up. And each one released a bunch of tumblers. Be careful. Olivier Voltan, c'est pas ce qui me fait le plus peur. On this planet. And whatever it is, it's trying to kill us. Allez, on va sortir. Dernier regard à cette fameuse caverne. Et on sort. Oh, c'est quoi ce bâtiment là-bas? C'est une grande roue? C'est clairement pas une grande roue. Mec qui dit n'importe quoi. Rain from tiny clouds. The noises, the impossible electromagnetic physics, the eccentric gravitation, or the meteorites. This place is extraordinary on so many levels. Be very careful, Ion. If you fail, we are both finished. D'accord. Bien. Well, all in all, I guess it is time to end your apprenticeship, Ion. You have proven to be an excellent exploration unit. Given the talent you have shown so far, I think it is safe to give you access to every tool in our database. D'accord. Handle with care. Some are dangerous to use. D'accord, donc là, a priori, je peux tout construire. You need them to save her. Du coup, je peux utiliser l'antigrave. C'est pas mal, ça. Je pense que c'est de ça que j'ai besoin. Antigravité. Pour passer la crevasse, j'ai l'impression que c'est de ça dont j'ai besoin. Nom de Dieu. Alors, il me faut déjà nanos, circuit et des crénums, mais j'en ai plus de ça. Circuit. Nanos. Et trois crénobles. On va aller en chercher du coup. Là, au passage, tac. Ça a l'air d'être par là-bas, il y en a. On va réussir à aller sauver Annie, ça va bien se passer. Ça, on s'en fout. Au passage, on prend les plantes parce que c'est toujours utile. Et oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'utile dans le coin là? Ça on a, on s'en fout. Ça, le turanon, c'est toujours important aussi. C'est pas tout ça, mais c'est pas de ça que je veux. Donc j'ai besoin. On va aller par là-bas. Voilà. Jour 9, génial. Est-ce qu'on peut prendre ça au passage? Voilà. Et on va pouvoir utiliser encore un nouvel outil, donc ça c'est vraiment cool. L'antigrave. You can jump really high with that, especially when you're moving fast. D'accord. And fall quite far. Try it out in a safe place. Ouais, je pense que c'est une idée judicieuse. Bon, on essaye là, voir ce que ça fait. C'est nul. C'est pas nul.
Ah oui, merde. Ouais, on va essayer. Putain, je sens tellement pas. Allez. Allez. Plutôt par là-bas. Hein. Allez, on est parti. J'ai réussi? Alors que je me suis trompé. Putain, je me suis trompé de truc et je suis passé. Qu'est-ce que j'ai branlé? Putain, n'importe quoi. En fait, je me suis fait chier pour rien, c'est ça. Bon, par contre, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Donc, comme d'habitude, hein, on connaît les bails. Il faut de l'énergie. Hein. Allez, tac. Merde. Ah, la Annie commence à me manquer parce qu'elle fait bien le taf quand même. Hein. Je l'avais un peu équipé comme... Enfin, je l'avais équipé pour ça, hein, quand même, Annie. Pour me sauver la vie, quoi. On va arriver à ce truc qui ressemble à, on va dire, une usine. Je pense que c'est une espèce d'usine. Ou alors, c'est un centre spatial. Pourquoi la musique, elle continue, là? Non, y a rien. Allez, ça en prend. Au passage. Ok. On va aller visiter, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? What? Où ça? Putain, la panique. Qu'est-ce qui se passe? Un peu. Météorite. Il y a que dalle ici. Hein. Je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Hein. Je pense qu'il faut aller là-bas. Tiens, ça va. Ah, caméra. Le problème, un petit problème de caméra, c'est comment on tombe en fait. Je m'en rends compte, hein, c'est que ça fait n'importe quoi quand j'essaye de bouger la caméra en même temps que je fais une chute. C'est un peu compliqué. Ion, wait a minute before you proceed. This might interest you. I used to think this was only a theoretical possibility, but we believe we are dealing with a mineral life form. Tetrarium is such a life form, and the tumblers too. And remember those stone giants? We are under threat from something we may not even be able to detect as a living being. Ah, ça y est, même Annie, elle en a marre. These tumblers seem to be acting as guards. Instead of killing them, maybe we should avoid detection. Vous savez ce qui va se passer. bon, alors là, je pense qu'on voit d'ici l'oiseau qu'a récupéré Annie. Et avant de prendre le téléporteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là, parce que ça fait un petit moment que je tourne. Les amis, merci de m'avoir suivi, ça m'a fait très plaisir de reprendre ce jeu, ça faisait longtemps, ça fait un petit moment que j'y avais pas joué, je suis assez content. Du coup, je vous fais tous des gros bisous, le prochain coup, on récupère Annie, et on va probablement bientôt s'approcher de la fin du jeu, j'ai l'impression, parce qu'on arrive, mine de rien, on a crafté quasiment tout ce qui est craftable, assez rapidement, je trouve. Annie est aussi full. Donc je pense qu'on... J'ai vraiment l'impression qu'on arrive vers la fin du jeu. Allez. Je vous fais tous des gros bisous encore une fois. Et puis je vous laisse à la prochaine. Ciao, bye bye.